cap en mars, 29 mars 1995. Mais quand il y a m'a joué en Belgique, la première division, position moi c'est attaquant, j'ai 23 ans. Ah, jeune garçon, gros garçon. Oui. Et donc, où tu commences à jouer au football à quel âge? Depuis que j'ai 7 ans, j'étais au Cap, au Rwanda. J'ai toujours fait sure que j'ai un soccer ball pour me jouer. Donc, j'ai joué au soccer depuis que j'étais jeune. Mais où vous vivez aux États-Unis, vous pratiquez pendant que vous allez à l'école? Oui, j'ai joué aux États-Unis, j'ai commencé à jouer pour l'académie. Qui était le Seacoast United. Nous jouons Fast Revolution, Red Bull, toute équipe ça. Après ça, j'ai eu l'opportunité de me dans le collège sous un full scholarship. Ça veut dire que je n'ai pas besoin de payer rien. À cause du football? Oui. En raison du football, oui, en raison du football, oui. Pendant ma fête d'éducation, en même temps, j'ai joué en football pour eux-mêmes. Après ça, je suis venu drafté dans la MLS, mais la décision c'est pour aller en Europe. So. Et puis, vous allez en Belgique, ça te prend plus de temps. Moi, ouais, pour, finalement, vous êtes venu jouer dans le pays Belgique. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous venez de ça, vous avez un business side. Ça veut dire qu'il prend un bon temps parce que l'argent, tu as fait que nous bon. Je suis un bon bail là. Ça veut dire que nous n'avons pas besoin de faire des bagailles vite, vite. Vous comprenez? Et ça fait que je suis arrivé pour 4 ans. Ça veut dire que vous avez un bon bail dans le monde là? Je suis un bon bail là. Ok, quel objectif vous avez avec Haïti? Nous sommes la première fois que vous jouez pour Haïti, c'était face à Nicaragua. Ah, une expérience douloureuse. Oui. Nous avons perdu 3-0. Nous avons perdu 3-0, oui. Pour moi, je pense que avec l'équipe, ça nous a fait un peu de bagailles. L'objectif, c'est pour nous ne pas quitter le même bail qui est passé face à Nicaragua. C'est pour nous toujours concentrer nous pour tout le match. Nous, toute la semaine, nous avons gagné tous les 4 matchs. Nous pouvons jouer comme ça et nous avons un bon joueur qui a joué dans une grosse équipe aux États-Unis, en Europe. So, je pense que nous pouvons faire tracas sur le terrain. Donc, l'objectif là, c'est qualifier Haïti. Comment est l'autre coéquipe? Comment est-ce intégré facilement? Pas de problème? Non, pas de problème du tout. Si j'ai un problème, c'est peut-être moi. Mais des fois, ça a un problème. Je pense que je veux dire là. So, moi-même, c'est 200%. Tout goal qui vient sur moi. Si le coach a une bonne chance pour me jouer, je vais montrer qu'ils font un bon choix. Je pense que vous êtes venu une fois dans Rancha, vous avez découvert la première fois, lorsque vous avez une sélection UV qui était en préparation. Comment vous avez retrouvé dans le groupe ça? Il n'y a pas de mal pour me dire. Il vient d'un paquet de bons petits joueurs qui ont développé. Il n'y a pas de mal du tout. C'est ça. En tout cas, nous souhaitons bonne chance avec la sélection. Hein? Et si coach a bonne chance, vous devez prendre à fond. On prend à fond, oui. Et pour Sam là, et pour nous. Et pour make sure qu'il me fait goal. Club Wap joue en Belgique, là, comment on est ici? Wow, Exo Moko. Première division. Première division. Vous faites goal déjà? Je fais premier goal, moi, là, plus. Vous toujours titulé en équipe ça? Oui. Ah, c'est le starter en équipe là? Je start en équipe là, oui. C'est très bien. Merci. Merci. Thank you.